pour, 300, 300. Nays contre, 1-1. Je déclare la motion adoptée. Adopté, ben oui, voilà le résultat du vote sur le projet de loi C-13 hier à la Chambre des communes. Le psychodrame libéral a été évité. Bonjour, bon début d'après-midi, bienvenue à l'émission. Un seul député, Anthony Housefather, de Mont-Royal, a voté contre le projet de loi C-13. Une autre députée, Sherry Romanado, de Longueuil-Charlemagne, s'est abstenue de voter. Rappelez-vous, la dissidence de certains libéraux avait fait grand bruit il y a quelques semaines. Marc Garneau, notamment, avait clairement démontré qu'il n'était pas d'accord avec le projet de loi. Il a quitté ses fonctions depuis, donc il n'a pas voté. Même une de nos préférées à l'émission, Emmanuela Lambropoulos, a voté en faveur du projet de loi. Alors, il y a quelques aspects à aborder. La ligne de parti, évidemment, du Parti libéral du Canada. Est-ce que Justin Trudeau a resserré son emprise sur son caucus? Et est-ce que cette loi va véritablement changer quelque chose? Je vous signale qu'elle doit aller au Sénat avant d'être finalement adoptée complètement. Ils n'ont pas de ligne de parti. Michel Courchesne, Jean-François Lisée, Dimitri Soudas et Françoise Boivin. Bon début d'après-midi à vous quatre. Bonjour. Bonjour. Salut. Citation de M. Housefather, qui s'est prononcé sur les réseaux sociaux, je pense. Regardons ce que le député, le seul dissident, a écrit. « J'ai senti qu'il fallait rappeler à la Chambre et aux Canadiens que les craintes de la communauté anglophone du Québec n'étaient pas réglées et qu'un vote unanime en faveur du projet de loi aurait balayé ces craintes du revers de la main. » Réaction notamment de la ministre porteuse du dossier. Je vais être très claire. Le projet de loi C-13, la modernisation de la loi sur les langues officielles, n'enlève aucun droit aux anglophones du Québec. Je vais être très claire. Mon collègue avait la chance de partager ses inquiétudes de certains de ses commettants. Et puis, effectivement, aujourd'hui, il a fait sa décision finale. Et puis, c'est correct. Tout le monde a un choix dans la vie. Hein. Ils sont là, puis ils essaient d'assumer leurs responsabilités en tant que députés. Et qu'ils l'assument. Mais C-13, c'est une bonne loi qui va renforcer le français à travers le Canada. Les gens qui trouvaient que c'était menaçant pour l'anglais au Québec, bien, ils ont voté pour. Alors, ça ne doit pas être une grosse menace. OK, Françoise, vous savez comment ça marche un caucus? Il y a quelques semaines, on se disait psychodrame, des libéraux sortent du rang, M. Trudeau va devoir manœuvrer là-dedans. Finalement, un seul député vote contre. Qu'est-ce qui s'est passé selon vous? Bien, premièrement, ce qu'on me dit, c'est que le cabinet n'avait pas le choix, devait voter pour C-13. Alors ça réglait le cas, entre autres, d'un Mark Miller, qui est membre du cabinet. Pour les autres, ils étaient effectivement libres, mais il y a tellement de négociations en arrière des portes closes dans les lobbies qui appartiennent à chacun des partis politiques. Alors, je suis convaincue qu'il y a eu un petit peu de tordage de bras pour certains. Lambropoulos, on peut se poser la question parce qu'elle était tellement volubile en comité. Son vote peut sembler un petit peu surprenant. Parfois, on va laisser sous-entendre, je ne dis pas que ça a été fait dans son cas, mais parfois, on va laisser sous-entendre que si tu veux continuer d'avoir certains privilèges de voyage, de ci, de ça, des fois, c'est bon d'être du bon côté. Il y en a que il y a du marchandage. Moi, je me souviens d'avoir voté contre quelque chose un moment donné, pas nécessairement au Parti libéral, puis de m'être fait dire par un chef de cabinet du leader, que si j'allais dans cette veine-là, il y avait des bonnes chances que mes privilèges de ci et de ça. Puis j'ai dit, comme j'en fais pas de voyage, il n'y a pas grand menace que tu peux me faire qui vont m'inquiéter. Mais pour certains, des fois, ça donne à réfléchir. OK, donc, monsieur, êtes-vous en train de nous dire que M. Housefather doit ranger son passeport? Moi, je ne dis pas qu'il va ranger son passeport. Je pense que ça satisfait quand même le gouvernement libéral d'être capable de prétendre qu'il y avait quand même de la dissension, malgré qu'une personne, pour nous rappeler qu'il y a des problèmes pour les anglophones au Québec, ça ne fait pas une menace très forte, comme disait le député bloquiste. Mais en termes d'image, puis en termes de publicité, de ce qu'ils vont pouvoir dire, la rhétorique sur le terrain, de pouvoir dire qu'il y en a qui se sont tenus debout de pouvoir aller dans les comtés plus anglophones du Québec, il y en a qui ne feront pas de nuance à savoir s'il y en avait juste un qui a voté contre ou quoi que ce soit. Okay. Que la députée qui s'est abstenue, je le dirais-tu jamais assez, ça n'existe pas l'abstention
dans le décompte. C'est où t'es pour, où t'es contre, où t'es absent. Alors, c'est essayer de se donner bonne gueule que de dire « Ah, ben moi, je me suis abstenu ». Les absents sont toujours avec la majorité du vote et c'est aussi simple que ça. Alors, je pense que oui, c'est une victoire pour Justin Trudeau à 100 %. Il a réussi à faire table, puis il a réussi à faire voter Pierre Poilievre en faveur aussi, ce qui peut avoir des conséquences éventuellement. Ça va être intéressant de voir comment tout ça s'inscrit. Mais vous l'aviez dit d'entrée de jeu, c'est pas passé au Sénat encore. Et est-ce que ça va être passé? On parle de le passer avant juin, avant la fin de la session. On va voir. Si ça passe pas d'ici là, je vous dis, il y a un problème. Ça se rendra peut-être pas à terme avant la prochaine campagne. Dimitri, préparez-vous parce que je vais vous poser une question sur les conservateurs. Juste le temps de donner la parole à Michel. Vous voyez ça comment, Michel, sur la relation que M. Trudeau a avec son caucus? Est-ce qu'on peut conclure qu'il tient son caucus? Mais rappelez-vous qu'il y a plusieurs semaines, en fait, depuis janvier, M. Trudeau connaissait beaucoup de difficultés dans plusieurs dossiers. Puis à un moment donné, je me rappelle qu'ici, à l'émission, on s'est posé la question sur le leadership de M. Trudeau face à son caucus. Et notamment sur ce projet de loi-là. Mais donc, c'est un peu rassurant de voir qu'effectivement, en coulisses, les discussions ont été probablement rondement menées, mais certainement bien menées, parce que je comprends ce que Françoise dit sur certaines menaces, mais il ne faut jamais oublier que les élus sont aussi des citoyens à part entière. Ce sont des élus, puis ils n'ont pas la langue dans leur poche habituellement. Tu sais, on est habituellement, quand on est en politique, c'est parce qu'on... En général, on a une colonne vertébrale, puis on tient un peu à ses opinions. Alors, dans ce sens-là, ce travail-là de coulisses est extrêmement important, mais j'ose espérer, parce que pour moi, un chef, un leader, prend en main lui-même ce genre de situation-là, c'est-à-dire qu'il peut lui-même avoir des rencontres et des discussions avec ses députés. Je ne sais pas si ça se passe comme ça chez les libéraux fédéraux. Moi, j'ai eu cette expérience-là chez les libéraux provinciaux. C'est qu'à un moment donné, il y a un dialogue nécessaire où on écoute, on entend les objections, mais où on regarde le portrait global du gouvernement. Et là, on trouve des arguments pour que certains députés puissent se ranger. Mais en fin de la journée, et ça, c'est un anglicisme que je viens de dire, à la fin, tout le monde vit avec sa propre conscience. Et pour moi, un vote, c'est un geste important comme député, mais comme individu qui représente sa population. Mmh. Alors, chacun a, j'espère... Puis là, certains diront que je suis un peu naïve, mais pas tant. Pas tant. Okay, mais est-ce que vous saluez la dissidence de M. Housefather? Bien, moi, je dis comme Mme Petitpas, il avait droit à ses convictions. Mm-hmm. Oui. J'ai pas à la saluer, je n'ai pas à la juger, mais il a été conséquent avec lui-même du début à la fin. Ce que je constate, par contre, il y en a un seul qui a voté contre. C'est quand même dans ce sens-là. Un geste de une capacité pour le parti, pour le caucus, pour M. Trudeau, d'aller chercher ce ralliement-là. Okay. Parce qu'il y a des avancées dans cette loi-là. Il y a des avancées extrêmement importantes. Et je pense que c'est ça qu'il faut saluer aujourd'hui. OK. Puis on va en parler aussi de ce qu'il contient, le projet de loi. Juste le temps de terminer sur le politique avec Dimitri. Quand Michel dit juste un contre, ça veut dire que les autres partis ont voté en faveur aussi. Notamment le Parti conservateur, qui a voté en faveur d'une loi qui relate, qui souligne l'importance de CBC. Dimitri? CBC est tellement important pour les conservateurs qu'ils ont voté pour cette loi parce que ça veut dire que la valeur de vente va être plus élevée si les conservateurs décident de vendre CBC. Non, mais sans blague, Sébastien. Premièrement, sur l'adoption de cette loi, je pense que Gérald Godin et Camille Lorrain, peu importe où ils sont, ont le sourire aux lèvres aujourd'hui. Pourquoi? C'est un moment réellement, selon moi, historique. C'est la première fois dans l'histoire de notre pays où une loi fédérale sur l'enjeu des langues, le français, reconnaît
les lois linguistiques en ce qui concerne le français au Québec. On était à une autre époque où on contestait la loi 101 à la Cour suprême, où la Cour suprême invalidait certains éléments des lois québécoises, comme par exemple sur l'affichage. Donc, je pense que c'est un moment peut-être aussi historique, puis je n'exagère pas, que la reconnaissance de la nation québécoise. Et sur le Sénat, ce que je veux dire, parce que Françoise a fait allusion... Attendez, Dimitri, vous venez de dire quelque chose de gros, là. OK. C'est un moment presque aussi historique que celui de la reconnaissance de la nation québécoise. C'est ça que vous avez dit? Pourquoi? C'est ça que j'ai dit. Pourquoi? Parce qu'une loi fédérale sur les langues officielles, sur le français, reconnaît les lois québécoises. Et la Charte de la langue française est adoptée à l'intérieur de cette loi fédérale. C'est du jamais vu, Sébastien. Et non seulement ça, à l'unanimité. À l'unanimité. Monsieur Housefather, parfait, il est à Côte-Saint-Luc, il est en train de préparer sa prochaine campagne et son porte-à-porte, mais c'est à l'unanimité. Donc, je conclue, c'est la raison pour laquelle le Sénat, mes amis sénateurs libéraux et conservateurs, ne devrait pas retarder d'une nanoseconde l'adoption de cette loi. Parce qu'avec respect, les élus ont parlé et ceux qui sont nommés devraient suivre le pas de ceux qui sont élus. C'est à l'unanimité, Sébastien. OK. Nous allons peut-être vivre un autre moment historique, c'est-à-dire Jean-François Lisée, qui pourrait dire du bien, qui pourrait dire du bien d'une loi fédérale. Jean-François, nous vous écoutons. Ben, d'abord, c'est pas une grosse nouvelle parce que j'en ai déjà dit du bien, alors vous n'avez pas pris un gros risque. Maintenant, je voudrais revenir sur ce que dit... c'est vrai que jamais Pierre-Éliott Trudeau ou Jean Chrétien n'auraient proposé et voté cette loi. D'ailleurs, M. Trudeau ne l'a pas vraiment proposé. Il y a des amendements dans cette loi qu'il ne voulait pas, que maintenant il accepte et même demande à ses députés, sauf un, de voter en faveur. Mais jamais Pierre-Éliott Trudeau, jamais Jean Chrétien n'aurait accepté une loi comme celle-là. Maintenant, pour mettre un petit bémol sur le moment historique, il est vrai que pour la première fois, la loi fédérale sur les langues officielles fait référence à la loi québécoise, et ça, c'est la Charte de la langue française telle que modifiée par la loi 96 de la CAQ. Et dans la loi 96, il y a l'utilisation de la clause dérogatoire et l'inscription dans la Constitution du fait que, dans le petit tiroir québécois de la Constitution, pas le grand meuble, juste le petit tiroir québécois, le fait qu'on est une nation et que le français est notre langue officielle et commune. Cependant, lorsque la contestation de la loi 96 va arriver en Cour suprême, le gouvernement fédéral qui a voté pour cette loi va contester l'application de la clause dérogatoire qui est dans la loi 96. Alors, je suppose que ça a été un des arguments qu'ils ont utilisé pour certains des dissidents en disant « Écoutez, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec chacun des éléments de la loi 96 parce qu'on a déjà dit qu'on n'était pas d'accord avec l'utilisation de la clause dérogatoire à des fins préventives. On va le dire dans la contestation de la loi sur la laïcité. Et si on gagne, ça va dégommer la clause dérogatoire dans la loi 96. » Donc, il y a quand même une petite complexité là-dedans. Maintenant, pour répondre directement à votre question... Mais le principe est reconnu. Mais le principe est reconnu, Jean-François. Ben, le principe est reconnu que c'est le Québec qui décide de ses lois linguistiques dans la mesure où la Cour suprême du Canada, à la demande du gouvernement fédéral, ne retire pas certains des éléments. OK. Sur le fond, là, le fait que... Le commissaire aux langues officielles a plus de pouvoir, peut sanctionner des entreprises qui ne se conforment pas. Le fait qu'on peut recevoir, on considère que le français est la langue qui est en danger au pays. Est-ce que vous trouvez qu'il y a des avancées importantes dans cette loi-là? Bon, alors là, j'espère que Martin Koskinen écoute. Parce que Martin Koskinen, c'est le chef de cabinet du premier ministre. Puis hier, il se plaignait sur Twitter que je ne disais pas assez de bien de la CAQ. Écoutez bien, je vais en dire du bien, là. Parce que c'est Jean-François Robert qui a réussi à négocier avec Mme Petitpas-Taylor des aménagements qui n'existaient même pas dans la version améliorée de Mélanie Joly. C'est-à-dire que avant,
il était inscrit dans la loi fédérale, dans le projet de loi, que des francophones avaient le droit de travailler en français dans des entreprises à charte fédérale comme le CN ou les banques. Mais ça ne voulait pas dire que, comme dans la loi 101, le travail serait de façon régulière en français. Ben, M. Roberge a réussi, avec le Bloc québécois, le NPD, les conservateurs et Mme Petitpas-Taylor, à mettre ça, donc, des clauses miroirs de la loi 101 sur le droit de travailler en français dans la loi fédérale. Et ça, c'est un gain très considérable. Donc, ça met à niveau les droits des travailleurs québécois qui sont dans les entreprises fédérales face à ceux qui sont dans des entreprises, dans les autres entreprises. Et ça, c'est un gain, et je pense qu'il faut féliciter la CAQ, M. Roberge, le bureau du premier ministre et son chef de cabinet, qui a dû faire quelques appels, pour avoir réussi ça. Maintenant, à part ça, je pense qu'il y a des avancées pour les francophones hors Québec. On va voir s'il y a des avancées sur les plaintes d'Air Canada, mais il n'y a rien, il faut dire, il n'y a rien pour renverser le déclin du français au Québec, à part l'application de l'équivalent de la loi 101 aux entreprises fédérales. Alors, c'est pas un gros outil pour renverser le déclin du français au Québec. Symboliquement, il y a des choses très intéressantes. Pratiquement, il y a ce que je viens de dire sur les entreprises à charte fédérale. OK. Michel, je vais vous demander c'est quoi les percées importantes que vous avez identifiées, mais juste avant, Dimitri, en quelques mots. Oui, puis je dois souligner, étant donné que Jean-François a ouvert la porte des remerciements, le travail qui a été fait en coulisses par le délégué général représentant du Québec à Ottawa, Mario Lavoie. Michel, vous le connaissez très bien. Très bien. C'est ancien conseiller de Jean Charest, ancien conseiller de François Legault. Au courant des derniers mois, tu ne pouvais pas passer deux scènes entre les fesses de Mario Lavoie. Il était tellement stressé puis faisait le lobbying nécessaire auprès de tous les partis politiques, auprès de tous les députés. Député par député par député. mais le travail du représentant du Québec à Ottawa a été crucial pour avoir le résultat que nous avons hier. C'est ça. Puis vous avez raison de dire que le résultat final est souvent, puis ça, on ne le voit pas, un travail de coulisses, de lunch, de souper que des diplomates, entre guillemets, font. OK. Michel, vous avez parlé de percées importantes tout à l'heure. Et c'est ça l'intérêt de fabriquer des lois. Hein. Moi, j'appelle ça fabriquer des lois, Sébastien. C'est tout ce travail-là qui se fait sous le couvert de l'anonymat, presque. En dehors du radar. C'est fascinant. Sur les percées importantes, bien, c'est sûr que moi, ce que je vais surveiller beaucoup, c'est le rôle du commissaire aux langues officielles, parce qu'on lui donne des pouvoirs de sanction. Et je suis d'accord avec tout ce que mes collègues ont dit, mais le vrai test, ça va être l'application de cette loi-là. Voilà. Parce que qu'on a les meilleurs principes dans cette loi-là, et le gouvernement fédéral n'a pas prêché par l'exemple jusqu'à maintenant. On a toujours eu des applications plutôt mollasses de la loi sur les langues officielles. Et là, on donne des pouvoirs de sanction. Mais quand vient avec le pouvoir de sanction l'obligation de faire des suivis, l'obligation de donner suite à des plaintes qui pourraient être déposées, mais on doit aussi donner les ressources aux commissaires aux langues officielles. Le Canada, c'est un grand pays. C'est pas juste au Québec qu'on va devoir vivre cette application-là, mais il va falloir le voir ailleurs aussi. Alors ça passe par des moyens, par des budgets, par des ressources. Et je pense que ça va être ça, le vrai test de cette loi-là. François, ça vous fait réagir, ça? Bien, ça me fait réagir parce qu'effectivement, c'est peut-être le plus gros bémol de toute cette saga d'en arriver à l'adoption du projet de loi C-13. C'est qu'est-ce qui va arriver sur le terrain? Michel a raison. Si on ne donne pas les ressources aux commissaires, aux langues officielles, il est déjà débordé. D'autre part, si le fédéral est l'exemple pour les entreprises à charte fédérale, bien, ça ira pas, ça volera pas très haut, parce que parlez-en aux fonctionnaires dans la fonction publique fédérale, où pratiquement toutes les réunions se font en anglais, les mémos se déroulent en anglais, enfin bref, trouver du bilinguisme dans la fonction publique fédérale, puis je fais pas le reproche aux fonctionnaires, ça part de la tête, ça. Et quand ta tête porte un nom comme Monsieur Tremblay,
puis que M. Tremblay fait sa réunion en anglais, il y a un problème en quelque part. Alors, on verra sur le terrain si, effectivement, on peut avoir toutes les belles lois. Le Québec, c'est une nation francophone et on ne fait que parler du déclin de la langue française. Pourtant, on a des outils pour mettre ça en application, pour empêcher ces choses-là. Alors, les lois, je suis d'accord avec Michel, c'est fascinant à adopter, mais ça ne vaut pas plus que l'encre sur son papier ou le clavier si on ne les met pas en application. Il peut y avoir une réunion avec 5 fonctionnaires. Il y en a 4 qui parlent français, 1 qui parle anglais. La réunion va se faire en anglais pour que la personne anglophone comprenne. OK. Conclusion rapide, Jean-François. Oui, bien, juste là-dessus, comme les entreprises à charte fédérale se sont toutes inscrites à l'OQLF, ça va être vraiment l'OQLF qui va faire le travail au Québec. Oui, aussi, oui. Et donc, lorsque l'OQLF décide de mordre, parfois, ils réussissent. Maintenant, je voudrais juste dire un mot sur Anthony Housefather. Alors, le chiffre, c'est 14 300. Ça, c'est le nombre de dollars qu'il a par année pour être secrétaire parlementaire. Et ça, c'est un titre qui peut lui être retiré. Est-ce qu'il a mis ce salaire-là à risque pour faire connaître ses convictions? Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a eu une négociation. Peut-être que le cabinet du premier ministre et le WIP ont dit « Ben, c'est pas une mauvaise idée qu'il y en ait un qui soit dans l'écosystème anglo-montréalais qui est extrêmement monté contre la loi 96 et contre cette loi sur les langues officielles. C'est peut-être un bon contre-signal à envoyer, je ne sais pas. Mais moi, je tiens à souligner la force de conviction de M. Housefather. Je suis en désaccord avec tout ce qu'il a dit, mais je respecte sa décision d'aller jusqu'au bout, de prendre un risque pour la suite des choses, parce que c'est sûr que quand il sera le temps de nommer un autre membre du cabinet de son secteur de Montréal, ses collègues vont dire, ben lui, il n'a même pas voulu se ranger au moment du vote, alors pourquoi c'est lui qui l'aurait? Donc, c'est sûr qu'il y a une prise de risque pour ses convictions, et moi, je salue ça. Je salue ça. Et ses convictions, c'est que ce qu'il se fait dire par ses commettants, c'est qu'ils ont l'impression que cette nouvelle loi menace d'une certaine façon la communauté anglophone au Québec. Bon, évidemment, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord avec lui là-dessus, mais il est allé au bout de ses convictions. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.